Ce qui mine notre économie, c'est la compétitivité du port de Pointe-Noire. La baisse de la compétitivité résulte de quelque chose, de nos comportements à nous tous. Les antivaleurs. Et ces antivaleurs-là, on peut les constater à tous les niveaux. En commençant par l'administration des douanes, parfois aussi en passant par les commissionnaires en douane agréés, les commerçants. Nous sommes tous responsables. En parlant des administrations, il y a l'administration des douanes qui a sa part de responsabilité, mais il y a également les autres administrations. Bon, vous avez évoqué certaines administrations, je ne suis pas là pour les citer, mais je pense que vous qui êtes sur le terrain, si vous soulevez ces problèmes, c'est parce que le mal est profond. Les antivaleurs aujourd'hui, c'est à tous les niveaux. Vous l'avez dit, chacun vient, crée sa parafiscalité, qui augmente la pression, le coût du passage portuaire au port de Pointe-Noire. Il y a certains commerçants qui sont aussi alimentés par les réseaux des trafiquants. La même marchandise se retrouve au marché, au grand marché. Et le commerçant qui a dédouané sa marchandise normalement, subit la concurrence déloyale.